fidèle. Bon Dieu fidèle. Levez-moi en crier, bon Dieu fidèle. Parlez en cours, Yahweh. Parlez en cours, Yahweh. Jésus, s'il vous plaît. Jésus, s'il vous plaît. Jésus, s'il vous plaît. Vous voulez tantôt qu'à crier parole, ça a crié Jésus, s'il vous plaît. Jésus, s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel. Vous même qui voulez le Seigneur, frappez-moi en souhait. Amen. Nous disons Dieu merci parce qu'il rend possible la première soirée de victoire. Nous pour nous passer 10 soirées ensemble. Le Seigneur déjà rend possible la première soirée. Là. Moi, salut, moi, content, well, dans le nom de Jésus. Et moi, salut tout internaute qui est déjà branché dans la première soirée. Ça, que bon Dieu est capable de verser grâce en abondance sous la vie. Alors, pendant la semaine, non, pas faire négligence. Et inviter au monde dans la soirée, hein? Inviter nos amis, nos collaborateurs, nos collègues pendant toute soirée, ça y est, afin que ce n'est pas celle nous-mêmes qui est capable de bénir, ou bien le Seigneur est capable de mettre un pot dans la vie, mais que plusieurs autres mondes, le Seigneur va opérer le changement dans la vie ou à travers la parole. Alors, continuez. Flyers là, marcher, j'en passe un petit matin. Hein. Et vous êtes capable de poster sur Facebook, Instagram, et vous même qui avez tout l'autre réseau social, vous êtes capable d'utiliser pour annoncer tout l'autre monde qui va venir, que vous avez 10 jours ici, hein, pour vous capable de venir participer avec nous. Alors, nous voulons faire introduction pendant tout pour le 1er juillet pour que nous soyons capables d'achever et samedi, c'est le Seigneur pour nous opportunités. Alors, sans plus tarder, vous êtes capable de vous voir avec moi dans Exode chapitre 13, le verset 17. Jusqu'au 22e verset, à la gloire de Dieu. Exode, chapitre 17, chapitre 13, le verset 17, jusqu'au 19e verset, 22e.
PAMNA. Alors, version PAMNA, il n'y a pas lui second. Regardez dans mes bois, pendant que ma fête dure. Exode chapitre 13. Quand le pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant, « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur. Alors vous emporterez mes ossements avec vous. » Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étham, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple d'Israël. Parole de Dieu qui vient tout pour toi. Genèse là. Donc parmi les cinq premiers livres de la Bible,
le livre de la Genèse, c'est le dernier livre que je lis. C'est le dernier livre chronologiquement où tu as supposé lire dans la lecture de la parole de Dieu. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que le livre d'Exode est divisé en trois parties, en trois périodes. La première période, il racontait la vie du peuple Israël en Égypte, dans chapitre 1er jusqu'au chapitre 15. C'est la première période, chapitre 1er jusqu'au 15e chapitre. Deuxième période, il s'agit à partir du chapitre 15 jusqu'à chapitre 18. Il racontait l'histoire du peuple Israël dans le désert. Troisième période, c'est Exode chapitre 19 jusqu'à Exode chapitre 40. Il racontait la vie du peuple d'Israël sur la montagne du Sinaï. Donc, qui alliance que l'Éternel était fait ensemble avec le peuple. Mais ce n'est pas ça qui est important pour nous parler à ce moment. Nous voulons plutôt la situation du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. Alors, la Bible fait nous connaître que le peuple d'Israël, il prend l'entrée en captivité par nos promesses que l'Éternel était déjà fait ensemble avec Abraham. Mais en nous, ça nous, il n'y a pas de promesse sans alliance. Il y a une différence entre l'alliance et il y a une différence entre promesse. Donc, les alliances sont plus importantes que les promesses de Dieu. Les alliances de Dieu, c'est lui-même qui engendrait les promesses de Dieu. Dieu prend parler sur Abraham, lui prend dire Abraham, écoutez bien, moi prend pas nos descendants, c'est l'alliance d'Abraham, l'alliance abrahamique. Moi prend pas nos descendants, et descendants ça y est, je vais multiplier sur toute la terre, et je prends béni à cause de vous-même. C'est l'alliance du peuple d'Israël. Mais la promesse que Dieu a fait avec Abraham, il prend Abraham dans Genèse chapitre 15, à continuer. Il prend Abraham, écoutez-moi bien, Genèse chapitre 15, verset 13. Sache que tes descendants, petit pour eux, ils prennent à servir une nation étrangère. Mais après 4 siècles, 4 générations, ma descendance, je vais mettre au dehors. Nous ne pouvons pas ça. Mais lorsque le peuple d'Israël arrivait en Égypte, situation difficile pour le peuple. Le peuple travaille dans une douleur. Situation peuple est vraiment atroce. Le peuple a crié. Il n'y a pas de personne qui vous mette dehors. Mais ça qui est important, c'est que le peuple d'Israël, malgré leur captivité, mais ils ont décidé pour l'entrer là-dedans. C'est ça. Le fait que le peuple a décidé pour l'entrer là-dedans. Premier bagage de tout, c'est que souffrance n'a qu'en présent. Il n'y a pas d'empêcher de la destinée de vous reconnaître mon destinée pour vous. Amen. Pas la souffrir en esclavage. Mais puisque Dieu t'a fait une alliance avec Abraham, l'Éternel pratique avec le nom qui est Moïse. Pour qui ça, l'Éternel choisit Moïse. Il y a deux raisons. Première raison, l'Éternel choisit Moïse, c'est parce que Moïse sortit dans une tribu qui est Lévi. Lévi vous promet sous lui, pour alliance que Dieu t'a fait avec en tout descendant de Lévi. Alliance ça, il va reposer sous tête Moïse. Deuxièmement, Moïse choisit, c'est parce que l'Éternel en même, il y a une petite. Moïse est dans même. Il y a bois. Bois. On explique ça pour. Non, dans le livre de Genèse, il y a trois alliances que le Seigneur a fait. Deuxième raison que l'Éternel a choisi Moïse, c'est parce que Moïse est dans même. Il y a bois. Il y a bateau. Le bateau de Moïse. Libra symbolise l'alliance que l'Éternel a fait dans Genèse. Lorsque Dieu a révélé Moïse, pas de difficulté pour Moïse. Bah, il n'y a pas trop bon. Mais Dieu pourra susciter Moïse. Parce que Moïse pourrait faire. Mais qui ça nous explique aux trois soyons?
Lorsque Dieu ou a soifé pour entrer dans la destinée, Dieu a toujours suscité, soit parmi vous-même, ou bien en dedans vous-même, yon Moïse vous capable d'entrer dans la destinée. Il n'y a pas de destinée sans alliance. Écoutez-moi bien. C'est depuis le premier père des fourmis. Et jusqu'à 2019, les fourmis sont petites. Même si tu as une fourmi qui commençait la prière, qui commençait à jeûner, et puis il a demandé pour Dieu de lui grand, comme un éléphant. L'éternel a parlé sur lui, il a dit, moi la foi. Moi j'entends prière là. Et moi recevoir prière là. Mais problème où il y a, c'est l'alliance qui soutient ta destinée. Oh, wow. L'alliance qui soutient la destinée là. L'alliance qui est avec grand parole, c'est que jusqu'à ce qu'on fait pour Jésus mourir, pour après des petits toujours. Donc qui ça, ça veut dire? Quel que soit le monde qui va l'entrer dans la destinée, l'éternel dit pour le voyant, à jeu de monde qui voit alliance. Qui savent des dire à soi, écoutez-moi bien. Si vous pas vous alliance sous vous, pour entrer dans la destinée, l'éternel a permis que vous perdez la foi qui vous alliance. Parce que pas de destinée sans alliance. Et une déclaration, c'est pour l'éternel susciter des hommes de Dieu qui ont l'alliance sous vous pour capable entrer dans la destinée au nom de Jésus. Même si tu as un éléphant qui a commencé la bouillie, il a commencé à jeûner, il a commencé à faire une guérison, il a dit qu'il a pu entrer dans le mannequinat, mais il n'y a pas de progresse, il n'y a pas de garantie. L'éternel a parlé devant l'éléphant, il a dit à l'éléphant, moi, j'ai bien la foi, moi, j'ai le courage. Le problème, c'est l'alliance qui soutient le destinée. Là. On explique un bagage. Pourquoi Moïse tombé dans la force de l'Union? L'Union n'a pas qu'à manger Moïse. C'est parce que Moïse a une alliance sous lui. Et l'alliance, ça permet que destiner Moïse pas qu'à gaspiller. Qui l'alliance? Dans Genèse chapitre 49, l'Éternel a dit 3 Judas, chez un jeune lion. L'alliance qui sous tête Daniel. C'est Daniel qui a dit. L'alliance qui sous tête Daniel, c'est que Daniel est un lion de nature. C'est ça son alliance. Mais pour l'entrer dans la destinée, messieurs, prend un lion pour empêcher Daniel d'entrer. Mais l'alliance n'a plus fort que promesse là. Amen. Et comme si vous êtes tout bon, dans la spiritualité, ça fait malgré des forfaits, ou pas qu'à progresser, ça qu'on lui met tout par l'eau, l'alliance qu'il fait avec mon démon. Comme une alliance là, il forbit, et ou pas qu'à bataille avec alliance là, son alliance est plus fort. Qui garantissent notre alliance, moi déclaré dans le nom de Jésus, alliance satanique, le grâce, c'est pour vous notre alliance qui fait sous la voie soya. Moi déclaré sous la voie au nom de Jésus, prenez alliance le grâce, et déclare notre alliance sous la voie dans le nom de Jésus. Sous la croix parole, ça crie gloire. Écoutez-moi bien. L'alliance sous la vie au monde n'est pas que le monde n'a pas souffert. Comme quelle bataille m'a demandé le président a dit tout, mais des fois pour obliger moi l'eau. Ça a eu une fois erreur. L'éternel dit ça a eu. Allez, dans la bataille, touillez toutes bêtes, touillez toutes soins, touillez pas qui t'en y est. C'est ça que vous avez dit salut. L'éternel dit salut. Le salut là, il est vrai. Salut, patouiller tout bête, mais quitter dans bête pour tourner la caille. Vous avez dit qu'il y a une erreur, malgré salut désobéi Dieu. Mais vous allez dire qu'il est plus fort que ça. Lorsque Jacob a béni monsieur, il a lui fait. Non, tribu de Benjamin. Du parti Benjamin. Où c'est yon lousse. Lorsque tu pars à la guerre, faut que vous tournez avec poids de la canne. Donc lousse, c'est protéger sa poids. Depuis la bataille, faut que vous bagaille quand même. Ça fait ça une année, malgré l'éternel, tu touilles tout, tu ne pas touiller tout le temps.
ça. C'est pas une erreur. Mais destiné même, c'est ça. Et ça fait que monde depuis destino, alliance qui sous la vous dit fois lesbienne, si c'est pas l'éternel, vous grâcez à alliance à voir lesbienne quand même. Qui s'est passé, ça y va tout et tout, mais le tourner avec vous. Même vos bagages qui font, les autres. Il y a des bagages qui nous brûlent pour nous, va brûler pour lui, la brûler quand même. Amen. C'est l'alliance qui soutient ta destinée. Amen. Quelle bagaille? Ou même prier, ou jeûner, ou faire veiller. Si l'alliance qui te soutient le destin, là, il n'y a pas d'adam, pas de change. Pourquoi? C'est parce que la promesse n'est pas plus grande que l'alliance qui sauve là. C'est ça. Mais ça, mon meilleur, en dépit de toute alliance ancien testament, mais dans le Nouveau Testament, le dit Jésus par exemple. Tu prends pour l'autre alliance avec l'Église. Jésus prend pour l'autre alliance. Écoutez-moi bien. Adam prend fond nous, nous prenons perdu. Qu'on alliance qui vient faire pour que l'homme perde. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et puis qu'on a dit que l'alliance a fait faire. L'homme n'est pas là dans l'enfer. Qu'on acte de condamnation qui s'y est. Mais Jésus, comme le second Adam, le bras fini sous la terre. Je dis que lorsque le premier alliance a été fait, lorsque le peuple a péché, il y a un côté du sacrificateur. Sacrificateur, hein, qui ça le fait? Lui offre des sacrifices pour vous. Mais sacrifice-là, il n'est pas effacé le péché à lui. Mais sacrifice offert, il couvre le péché. Il met le péché à l'écart. Il n'est pas effacé péché, mais l'équipe de péché, c'est comme s'il prend un serviette sale de Dieu sur lui, pas là. Mais il dit Jésus, l'aile finit sous la terre. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, Jean-Baptiste commençait à prophétiser pour dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui va nettoyer le monde. Je dis, laisse Jésus venir sous la terre. Et puis, son bras coulé à Golgotha. Et puis, dans Hébreux chapitre 9, le bras dit qu'on s'est coulé à la croix. Sans ça, lui plus fort que le sang des boucs. Lui plus fort que le sang des taureaux. Lui plus fort que le sang. Quel que soit son de carrière, le sang de Jésus, lui paraît lui plus fort que lui-même. Et dès que ça prend, c'est pas couvrir péché. C'est pas aller calmer tes péchés. Mais sans Jésus, lui efface le péché. Lui expire le péché. Et pas piété qui t'a des péchés. Pas piété qui lisse péché. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, par la vie qui l'a effacé, la première sonne de nos enfants qui nous condamne et qui subsiste contre nous. Jésus prend dépouiller Satan à la croix et prend pour l'homme. Qui alliance lié, c'est l'alliance pour sauver, c'est l'alliance pour la vie éternelle, c'est l'alliance pour remporter la victoire, pas de chercher à la croix, pas mon échange qui prend le fait, Jésus prend le prendre tristesse pour le bon la joie, Jésus prend le prendre amertume pour le bon allégresse, Jésus prend le prendre maladie pour le bon guérison, nous prend le prendre déception pour le bon roi, nous prend le prendre amen, 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 pas de chercher à la croix, Jésus prend le bras, tout ça t'a de perdu. Pour le bon de la victoire, nous même. Frappez mon bouton, ça. Frappez mon bouton, ça. Frappez mon bouton, ça. Frappez mon bouton, ça. Comme facile ça pour me quitter alliance. Écoutez-moi. Le peuple israélien, pendant la captivité, l'éternel pourra susciter Moïse. Moïse. Prendons mission pour mettre le peuple israélien dehors. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans la situation qui est critique là, l'éternel suscite ton nom qui est de Moïse. Yes. Dans le temps où il est là, nous sommes le 15 mai, dans l'année ça, 15 mai, on est aussi 15 mai, nous avons jeûné. Et puis, pendant que je jeûne pour ça, et puis l'éternel a donné mon flash sous la rue de l'église là. Et puis l'éternel a dit, non, je n'ai pas fini. Je vais susciter des leaders dans mes l'église là. Je vais susciter des hommes de Dieu. Je vais susciter des femmes de Dieu.
Et pas trop longtemps, on va commencer à voir, on dit pas qu'on prophétiser ici, et on va commencer à vos grâces pour nous prophétiser. Pas trop longtemps, on dit pas qu'on parle dans notre langue, on va voir comment l'éternel va vivre dans nous, l'éternel va changer dans nous. Parce que l'éternel dit, il va commencer à susciter des hommes. Et ça, c'est dans le temps où nous sommes, que les jeunes l'éternel va financer avec nous, que les jeunes l'éternel va mettre l'onction en eux, que les Moïse, même l'éternel va susciter. Et déclarer ce pour Moïse, pour famille, c'est pour l'éternel susciter, pour libérer la famille, famille où tu as souffri, l'éternel va susciter des leaders. Pour rivaliser. Écoutez-moi bien. Chaque bataille est difficile.
si lui sont avantage pour nous glorifier. Amen. On va comprendre ça, on va parler ça bien. On a une d'amour une dimension pour percer mon Dieu dans l'autre dimension. À chaque bataille qui est difficile, lui sont occasion pour nous glorifier. Lui sont occasion pour entrer dans l'histoire. Lui sont occasion pour aider dans son auberge. Lui sont occasion pour nous faire parler de lui. Lui sont occasion pour nous dire c'est l'éternel. Dieu a visité Moïse, mais bon bagaille, on me l'a dit. L'aide Dieu a suscité Moïse, après cette affaire, il y a l'éternel, Moïse campé. Deuxièmement, Pharaon campé, mais bataille. Pharaon dit qu'il y a l'éternel pour que j'obéisse, à savoir la chute. De l'empire babylonien, l'Égypte sous Moïse Pharaon Maïa. Qui est l'éternel pour que j'obéisse à sa voix? L'éternel prend l'entrée dans le pays, il prend frapper le pays par display. Alors, bon, on petit détail sur ça. Aujourd'hui, il commence à contrôler, nous parler de 0, 1, 2, 3, 4. Mais dans le décalogue petit là, lorsque il a commencé à contrôler, il n'a pas commencé par 0. Il a commencé par 6 qui symbolisait 0 pour lui-même. Et puis pour lui avancer. L'éternel, ouais, Pharaon son fréquent. L'éternel plaque que Pharaon tellement pas de poids pour bataille là. L'éternel dit, m'a commencé à 0 à Pharaon. Et ça que fait le Pharaon, ciblé. Mais ce que vous voulez tout, c'est que même dans la question de la dîme, l'éternel a demandé 10%. C'est-à-dire que dans le peuple là, rentré, c'est comme si l'éternel a demandé un rien. Tellement chiffre là, il est insignifiant. Pour le peuple là, pour l'éternel. C'est ça. Je vous dis à vous, mon frère, il va aller sous titre. Mais espérons l'autre m'a prêché sur lui. Mais pour ça, l'éternel fait, ou pas qu'à dire l'éternel vaut 10% dans lui. Sous ta table, tout ça, tout bien fait, mon Dieu, ou ta bonne supposé que l'éternel plus que 10% dans la rue. L'éternel va frapper l'Égypte avec 10 plaies. Mais ça qui est extrêmement important, le chiffre 10 aussi, lui symbolise le chiffre du changement. L'éternel prend le peuple juif là, 10 commandements tout, pour que vous capable de vite joindre. Qui ça s'adresse, c'est comme si vous comprenez tout, pendant 10 jours ça, vous pouvez aller à changer là. Nous sommes si année prend l'entrée là, dans le dernier jour, pendant que vous avez fait des millions, c'est pour la vous tout changer dans le nom de Jésus. C'est pour nous aussi tout changer dans le nom de Jésus. Vous êtes déclaré dans 10 jours ça, c'est pour l'éternel transformer ma gagne, parce que l'éternel est pour le changer d'hiver en été, automne, en nouveau printemps, amen, alléluia. C'est ça que c'est Daniel pour le recevoir vision. Daniel pour dire que Dieu qui change les temps. Et là, amen. Moi, je déclare que ma soeur, c'est pourtant le changer de la vie. C'est pourtant le changer à soi. Moi, je déclare dans la première soirée, c'est pourtant le changer sur la vie. Moi, je déclare dans 10 jours ça, vous prenez une fête dans vos amas, tabernacle de grâce. Moi, je déclare 10 jours ça, c'est 10 jours de changement, c'est 10 jours de grâce, c'est 10 jours de miracle, c'est 10 jours de l'élévation sous la parole sacrée et chère. Troisième bagaille, le peuple a sorti. Non, si c'est plaire, on débite en fait interprétation de Tibléo. Le peuple a sorti. Mais Pharaon déclare une parole avant le peuple à sauté. Pharaon dit Moïse, prends le peuple, sorti avec. Ça, mon Dieu, qui est tout fait, on met dans le fait. Même bouche qui dit qui est l'éternel. M'pas qui t'en aller là. C'est même bouche ça qui est ouvert encore. Pour le dire, ou met à l'éternel. Parce que l'éternel est arrivé, pas une personne qui t'a marié. Amen.
l'éternel pour m'étonner en vous. Parce que l'éternel pour m'étonner en vous. Parce qu'il y a un éclair qui ne soit pas tonné. Même il te donne ça. C'est pour Pharaon sans son propre pour lui. C'est pour chaud pour Pharaon. C'est pour le bâtard qui m'a encore. C'est pour Pharaon aussi. Les Moïse, quand peuple là sorti, vous voulez voir trois bagages ensemble, trois mots. Les Moïse sorti à peuple là, le texte nous dit Dieu ne le conduisit pas, ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Mais premier bagage, il est droit à soi. Écoutez-moi bien. C'est que le chemin qui mène à la victoire est souvent le plus long. Le chemin qui mène à la victoire est souvent le plus long. Est souvent le plus long. Le peuple a quitté les gens. L'éternel social peuple là. Qui c'est route des Philistins. L'éternel dit pas faire ça. Parce que route ça trop pour peuple là. Mais route là qui est danger dans nous. L'éternel dit, m'bref faut route qui nous. M'bref faut l'autre pour notre peuple là. Route ça, c'est l'étape pour peuple là. Écoutez-moi bien. Quand plus de questions t'as posé, pour qui ça, l'éternel, c'est route qui vit long là. Le déjà fa avec la vie. Pour qui ça, c'est dans route ça. L'éternel passe avec c'est pas arrivé l'éternel par l'éternel. Mais l'éternel, où est-ce que vous avez passé la donne? Vous avez tapé la soie. Il est où si l'éternel était quitté au fer là? Là, vous avez fini déjà. Il est où si l'éternel était quitté au fer là? Là, vous avez gaspillé déjà. Il est où même si vous êtes coutant? Vous ne savez pas pour vous-même. Il est où même si vous êtes coutant? Vous avez passé la donne là. Vous avez l'éternel pas quitté au passé la donne là. Parce que son route qui est piégé. Son route qui est piégé la donne là. Parce que le chemin qui mène à la victoire est souvent le plus long. Quel que soit le cas témoigné, ou toujours l'éternel ou pas pour le faire. L'éternel toujours bien équipé. Afin l'éternel va le témoignage là. L'éternel toujours grâce. Afin l'éternel va le témoignage là. Souvent fait pareil. L'éternel fait miracle dans la vie où on met à questionner l'éternel. Parce que avant l'éternel fait miracle, nous cherchons le plus long. Avant l'éternel ouvre la foi, nous cherchons le plus long. Avant pour toujours périr, nous cherchons le plus long. Bénédiction pour tout le monde. L'éternel a fait un plus long avec moi. C'est pour pas que le roi victoire, nous pour le roi miracle, nous pour le bagaille, extraordinaire. Pour qui c'est où la crue, c'est de poser question. Pour qui c'est où la vie a cru ça, c'est de poser question. Pour qui c'est où même qui font ça, nous voyons ce qui est bien. Le chemin qui mène à la victoire est souvent le plus long. Le chemin qui mène à la victoire est souvent. Alléluia. Oh, alléluia. Et vous songez, bon l'heure, nous n'aurons pas pour moi. Oh, ah. Je vais chercher comme là. Jésus. Mais les mandués, on a vu moi. Et puis, moi, pas de monde qui a veillé. Moi, on connaît dans le bureau, toujours qu'on va quelques cylindres coincés. On va s'en dans l'eau. On va passer. On va repasser. On va défiler. Mais les mandés, moi, où est l'un des longs. Et pas de monde en dedans. Qui s'en perd. Ça est fil là. Tu sais comment ça fait, hein? Il passe en balle. L'homme qui passe en balle, et puis il me parle de club. Il y a 4 mounes devant. Il me capait ma pointe au fini. Pendant que je capais, bien sérieux. Il y a un gros temps. Chez nous, ouais. Puis nous, on a dit, ouais.
Le peuple d'Israël n'est pas connu dans la guerre. Le peuple d'Israël n'est pas connu dans
dans l'armée, Daniel pas un soldat. Les a quitté l'Égypte pour rentrer dans le désert là. C'est l'Éternel qui bataille pour eux-mêmes. Peuple a remporté la victoire sans que pas même nous épée yon tiré. Sans que pas nous roche yon tiré. Peuple n'a pas encore d'expérience. Non, rien. Dieu, dans l'omniscience, il connaît le peuple philistéen à temps d'Israël. Puis devant, qui ça fait? Il faut de tout avec le peuple là. Je me pitié, c'est la dernière du passé. Même si Israël, pas contre pour qui ça, mais Dieu, il connaît pour qui ça. Quelle situation va traverser? Mais bien aimé, va demander pour qui c'est vous-même. Pour qui c'est moi, toujours à crier. Pour qui c'est moi, la vie toujours triste. Pour qui c'est moi, nous avons pas de la vie qui va remettre la lumière. Pour qui c'est moi, la tête dans le cabane, m'a crié. Même de vous que ma gaspé, l'éternel pour raison. Qui fait c'est vous-même. Vous pas besoin de décision vous-même. Oui, c'est vous-même. C'est vous-même. Qui ça veut dire? Quand vous l'avez dit, l'éternel lui augmente victoire pour la reçu. Quand vous l'avez dit, l'éternel lui augmente grand victoire. Peuple d'Israël n'a pas la parole pile. La nuit ou mire. Mais le texte nous dit, Dieu fond de tout. Peuple n'a pas parlé dans la direction. Dieu, cassez cette table là, il faut notre table. Dans l'autre route là, c'est vous qui menez le peuple là vers le désert. Écoutez-moi. Depuis l'éternel fait à la vie où son examen. Depuis l'éternel prend de l'eau avec ou son examen. L'éternel prend de l'eau avec 18 après le colon examen. Pécien, depuis l'éternel prend de désert avec la vie ou son examen encore. Les Jésus allaient dans le désert là et nous examinons la vie. Les David allaient dans la chair dans le désert là, c'est nous examinons la vie. Les Joseph allez et nous examinons la vie. Quel que soit nous les donner nos désirs ensemble avec eux, ou mettre pour nous examen. Pour qui ça? Dieu prend le désert. L'homme au désert, pas une personne. L'homme au désert, c'est poussière. L'homme au désert, ou pas une pied bois. Ou pas une personne pour aller dans le désert. Mais ça qui est important, c'est que l'éternel lui-même, lui place dans le désert. Pour nous montrer que, puisqu'on sortit dans la poussière de la terre, l'étourner dans la poussière, si la poussière n'a pas de l'eau, et pas Pharaon t'a pour nous. Amen. Il y a des femmes là qui ont interprété ça, mais j'ai plus. Écoutez-moi, amis. L'éternel prend le désert avec le peuple d'Israël. Quand le peuple là, sous route là, libéré, le peuple là, murmuré, le peuple là, pas dans le monde, le peuple là, plaigné, l'éternel. Le peuple là, dans le désert, dans le processus là, l'éternel dit que le peuple là, désert à cassure, c'est vrai. Vous mettez le désert là. Et pas sans raison que des cafous vivent au bâtiment leader. Et pas sans raison que des cafous vivent nous-mêmes comme leader au bâtiment fidèle. Et pas sans raison que des cafous vivent au bâtiment maman, au bâtiment papa. Et pas sans raison en République Dominicaine, on n'a pas de personne qui a pensé à vous. Et pas sans raison. Mais le désert à vous là, l'éternel obligé de planter la donne comme ça. L'éternel obligé de planter la donne comme ça. Si pas vous sous le plan pété, qu'on est là, mais vous j'y prenez fun pour nous rentrer dans l'histoire. Aïe aïe aïe, est-ce que les gens comprennent ça, Mandia là? Vous là, mais vous j'y prenez fun. Et depuis là, mais vous j'y prenez fun de bon, nous prenez rentrer dans l'histoire. Nous prenez faire écho dans la salle de taxa. Nous prenez parler dans toutes les églises haïtiennes que l'éternel font gros bagaille. Et c'est que l'éternel font gros à gagner en vie. Maintenant, les oeufs et à ta été là. Même si les oeufs ont dit c'est vrai, même si on a cru c'est vrai, même si on a une déception, vivre une bagaille, vivre à si on a soi. Même si on a dans les oeufs, l'éternel prenait en dans les oeufs et la pleuvait. Même devant une bonne nouvelle, c'est que
le désert est temporaire. Amen, amen. Mais il est nécessaire. Hey. Amen. Yes, sir. Comment le dire? Le désert est temporaire. Mais il est nécessaire. Même si le désert n'a pas prêté pour tout le temps, mais il est important pour passer le désert. Amen. Ça va nous lâcher, nous. Qui le désert, c'est pour nous aller dans notre monde. Amen. Et tout le monde qui parle, en dans le désert, on va détecter toute forme hypocrite qui d'abord et qui part. Oh!
lumière, tout ça qu'a fait, papa, oh, j'ai pour ça. Même si on a mon léger, papa, on a léger.
est toujours le plus sûr avec Dieu. L'Éternel a parlé avec les disciples, dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, je peux vous laisser pas. Bon, bon petit détail. Vous ne savez pas perdu. On nous garder le texte avec vous. Écoutez-moi bien. Oh. Ça vous dira, des enfants d'Israël, ce sont des garçons. Écoutez-moi bien. Bon, 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 bon. Et pas bien sûr, bien sûr. Mais c'est vous là qui font ça. C'est vous là qui l'avez fait pour ça. N'est pas perdu, bien sûr. Dans le pays, le désert est fermé. Écoutez-moi bien. L'Éternel toujours fait du gros miracle, tout côté, toute barrière fermée. J'ai mis le fermé, des barricades, les l'Éternel grâce et vous passez à là. À chaque déclaré. Et il les poursuivra. Poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée servent du mot à faire. Éclater ma gloire. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Laisse la barrière. Yo, on sait pas. Il n'y a pas de bouée pour une manger. Écoutez-moi bien. C'est comme si même l'Éternel mettait dans une situation pour loin. Voyons là. L'ennemi a même commencé par le mal, commencé à jouer, commencé ici. Et puis c'est gloire l'éternel du palais. C'est gloire l'éternel du palais, la vie de mort. C'est gloire l'éternel du palais, la vie de mort. À chaque déclaré, quelle est ma parole, qui est du bon nature. C'est pour le chien du bon du bois. C'est pour l'éternel éclaté. Nous venons en faire. C'est pas bien. Mais le texte. Et je suis. Et les enfants de l'Éternel. Écoutez-moi bien, mais vous m'avez dit tout le monde. Exode US là. Quatre attention. Le texte nous dit. Et l'Éternel Allah allait devant eux. Exode 13. Vous savez que même si j'ai bien, premièrement, les noms. Deuxièmement, même s'il tue, même qu'il y a assurance à couper quand même. Et parce que l'Éternel allait devant. Le texte nous dit dans le verset 21, Exode 13. Le verset 22. Et l'Éternel allait, qui bon, devant eux, le jour, dans une colonne de Dieu.